Coucou. Pardon. Coucou, Rock. Ça va? J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Il y a le son qui dit merde. La 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 la. Coucou, Scorm. Ça va? Ça va, merci. J'ai enfin compris le jeu. Oh oh! Merci, Angel. La minute papillon, j'ai des problèmes de son. Coucou, Angel. Yeah, yeah. Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk. Ça va le son ou je dois mettre un peu plus fort pour vous? Enfin, du jeu, je parle. Merde. Le son est nickel, merci. Coucou Mali, ça va? Bon. Je vous explique le business. J'ai... comment dire? Hier, j'ai fait de la grosse merde. Voilà, j'ai fait de la grosse merde dans le jeu. J'ai refait une partie en off. Où j'ai un peu exploré de mon côté. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire une partie. Je vais vous zapper les cinématiques chiant et les tutos gneugneux. Et on reprendra les cinématiques là où moi je m'étais arrêtée hier. Plus ou moins, je crois que je me souviens. Comme ça, je vous saoule pas avec deux fois la même chose. Donc on recommence une partie, on refait des persos, enfin des pantins et... Et voilà, on a tous compris. Mais ça va, merci. Donc voilà. Welcome to the Dusk Theater. Bon, il y a des trucs que je sais pas passer, malheureusement. Comme cette chose-là, je sais pas passer. And at the heart of this adventure, there resides a mysterious book. All shall unfold before your eyes. Je sais pas. Voilà. Together, we will see this story. On verra. Allez, bonne nuit. Alain. Allez, je t'aime. Moi aussi. J'ai peur que t'as encore mal au ventre. Je vais pas avoir mal au ventre. Allez, va au lit. Fais pas chier. Ce que j'ai dit, fais pas chier. Alain. Oui, c'est la machine. Allez, va au lit. Oui, je passe. Hein. Je passe pour vous faire plaisir. Hein. Sinon, à part ça, passez un bon samedi. Je crois que c'est ça, le samedi. Hein. Merci, Luana. Bonne nuit. Ta gueule. Voilà, comme ça. La. La. Oh la 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 la. Ah non 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 non. Hein? Oh. Des joyaux. Ah, il y a un mob, il m'a... Ouais, voilà. Allez, va attaquer... Oh, ta mère, avance. Allez, avance. C'est bien, ta gueule. Non, mais on va y arriver avec ce jeu, on va y arriver, hein, moi je vous le dis, on va y arriver, hop. On va y arriver. Je sais pas comment, mais on va y arriver, hein. La 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 la. Non. Mm-hmm.
s'en fout de la pancarte, on ouvre la porte. Oh, un casque fourrure. Ça va chauffer dans le cucu. La 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 la. Y'a rien là, hop. Hop. Voilà. 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 Oh! J'allais pas reprendre la partie dont j'avais fait en off. Pourquoi? Parce que il y a des cinématiques qui sont assez drôles. Et comment dire? Je voulais que vous puissiez voir ça. Ah oui, vas-y, détruis. Ah oui. Ouh. Miam. J'ai ma machine qui est en train de... Enfin, ma machine qui est en train de faire... Oh, j'ai fini. Ouais, bah écoute, minute. Hein. Non, ta gueule. Et le gros vagin, là, on va se le faire. Oui, ça va, allez, ta gueule, allez hop. Ça va plus vite comme ça, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, la manette elle vibre, hein. J'ai level. Jingle. Coucou, Konik. Ça va? Allez, avance. Oui, ta gueule. Allez, hop. En avant! Hop. Oh, un piège. Oh, mon Dieu, je le savais pas. Oh, où dis-tu? Ça va, Angel? Ça va, Konik? ça va, merci. Mali. Bah, c'est un jeu... comment te dire? What the fuck? Bon, on le sait, ici, je vais claquer, je vais mourir, allez. Voilà, vas-y. Oh oui, du cuir. Ah oui. Tracty! Tracty! On peut le passer? Oui, bah, on va le passer. Hein. On reprend là un jeu de nonne, ouais, avec des patates. Ta-ta-ta-da! Ta gueule. J'ai déjà fait hier. Allez, pousse-toi. Ta-ta-ta-da! Laisse-moi avancer. Ta mère. Ouais, il y a une nonne, tu vas voir. Oh. Une histoire de nonne et de patate. Oh, la ferme. Hop. Je passe tout ce que j'ai fait hier, je le passe, hein. Ça vous saoule pas trop. J'ai fait vraiment de la merde hier et c'est pas... On va dire que c'est irrécupérable ce que j'ai fait. Ah, je suis un bouquin. Oui, oh. Voilà, je suis un bouquin, hein. Voilà, je suis un petit bouquin de merde. On va l'appeler Princey, hein, parce que bon, c'est mon nom de joueur, hein, voilà.
Allez! Le track tchikchus. Pêcher le tutoriel. Ouais, écoute. Allez, on va déjà sauvegarder, hein. C'est bien là? Ouais, c'est là. On sauvegarde. Toujours sauvegarder. Ah oui, pardon. On va fabriquer nos pantins, hein. Oui, laisse-moi tranquille, toi. Mais la ferme, laisse-moi faire mes pantins. Merde. Les voix, je sais même pas lesquelles c'est. On peut pas écouter. On peut pas écouter. IQ est admise. Alors. Je vais éviter les textes d'ambiance parce que ça va mettre 3 plombes à écrire. J'ai voulu les faire sur mon autre partie. Ça met 3 plombes à écrire, ça me saoule. De toute façon, c'est même pas utilisé à ce que j'ai vu. Donc pour le moment, ce que j'ai vu, ça sert pas à grand chose. Allez, ouais! Ouais! Premier pantin, deuxième pantin. On va faire Mali. Mali! Mali! Oh là 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 là! Regarde pas celle-là. Hein. Mali! Putain, j'ai des hallucinations, moi. La 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 la! Aïe, mon bidon. T'as vu ça, Mali? Va te mettre le 69, hein, Mali. Alors, la troisième. Oh là 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 là. Alors. Hmm.
Oh là là. Angel, je sais pas quel chiffre je vais te mettre. Ah bah tiens, je vais mettre ton âge. Ah, espèce de vioc. Coucou Yoyot. Comment vas-tu? Voilà, on a nos trois pantins. Ça va? Bah alors ça va alors. Ouais, je suis pas plus conne qu'un autre. Allez, on va sauvegarder cette chiasse là. Oh non, j'allais pas mettre 25. Non mais. ça va, merci beaucoup. Elle est là. Ah oui, la troupe. Oh, va chier. Je suis plus sexy que toi, Angel. Oui, ça va, laisse-moi tranquille. Oui, je sais. Je sais ce que je dois faire, s'il te plaît. Elle a ta gueule. Alors. Les guerriers, les techniciens. Ah non, les seigneurs. Hop, 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 là. Hop. Ça, seigneur Mali. L'autre pétasse d'Angela. On est good, hein? Good, good, hein? Oui. Du coup, on a déjà vu ça. Voilà! Ah là, ah là, 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 là. C'est parti, mon kiki. Bon bah voilà, hein. Premier mob, hein, voilà. Ça va, Angel, tu le vis bien. Une lance. J'ai pas. Oh non, j'ai pas gardé. J'ai la balle. Jingle. Non. C'est pas tranquille. Je t'ai dit, laisse-moi tranquille. La mana, la mana, 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 mana. Mais maintenant, m'attends. Oh merde. Embuscade ennemie. Bah tiens, allez, attaque. Mon Dieu, enfin, reviens. Faut que je revienne sur mes pas, j'ai pas tout exploré, j'aime pas ça. Je vous jure, ça me stresse quand j'ai pas tout exploré. Ça me stresse. L'angoisse. Oh là 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 là. Non, là, c'est pas un interrupteur, c'était par là. L'angoisse, voilà. Oh, ben, un baume d'ardoise, mais je vais te le foutre dans le cul, moi, le baume d'ardoise, tu vas voir ça. Je
suis désolée, il faut que j'explore absolument chaque zone. C'est horrible, hein, mais il faut que je le fasse. C'est comme ça que je joue. Non, allez, oh putain, non, fais chier. Bonjour, Doc Pepper, comment vas-tu? Angie. Avec un pot de Nutella. Du coup, moi j'étais où moi? Oui, j'étais par là, je crois. Oh, c'est un piège, je ne savais pas. Nom de Dieu, putain, je suis tombée. Hier, ça s'était mal passé, hein? Faudra s'en souvenir, hein? C'est très fort, Mali? Moi, je suis pas fan du piment, hein, donc bon. C'est pas mon dada. Angel. Ouh, une tenue de paysan. Allez. Ah, c'est toi qui... Oh putain. GG level. Jingle. Aïe. Merde. Bon,
Il y a un truc qui me perturbe, moi, ici. Attends. C'est bon, c'est bon, t'as plus. Non, c'est pas ça. Voilà. Ça me perturbe moins, d'un coup. Aïe! Connard. Des économies de chauffage. Je sais pas si tu vas en faire beaucoup, hein. La 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 la. Hop. Un vieux bouclier. Ya. Oh putain. J'ai failli ne pas streamer ce soir. Eh bien, parce que tout simplement, j'avais extrêmement mal au ventre. Tout simplement. J'étais pliée en deux, je savais plus bouger. Ça s'est enfin calmé. Déconnexion du chat. Merci, appli Twitch de merde. Je suis déconnectée du chat. Mais va te faire foutre, merde. Connexion. Bienvenue dans l'espèce de discussion. Oh bah tiens. La 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 la. Ah. Ah. Merci Angel, c'est gentil. Ouh. Ouh. J'ai eu ça. Sérieux. J'ai eu ça. What? Attends, 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 attends. What the fuck? Oh, oh, légendaire, putain, j'ai eu... Oh, putain, j'ai une arme légendaire. Oui, ma chérie. Mais prends ta DS et joue un peu, t'as... Tu peux, t'es en vacances. T'as joué à quoi?
Prends Animal Crossing ou Yoshi Island? C'est pas comment sauvegarder, parce qu'il faut avancer dans le jeu, tiens. Faut avancer un peu plus loin dans le jeu, sûrement. Ou tu prends la maison du style. T'as encore à faire. Ouais, je sais que t'as terminé déjà presque deux fois le jeu, merci. Bah prends Pokémon alors. Et pas mon Pokémon, prends le tien. Mais prends tes poupées LOL. Prends la maison aussi si tu veux. Luana, faut pas déconner, je veux bien être gentille. Quoi ? Tu veux jouer par terre ? C'est pas bien dans ta tête ? Ah oui, bah oui, bah écoute, oui, bah écoute, va jouer par terre, jeune fille, oui. Oui ? Oui, oui. Coucou Edo, ça va, merci, et toi? Oui, ma puce. Je peux pas. Non. Pardon. Bah oui, pardon, pardon, pardon. Parce que j'ai décidé que tu pouvais pas. Ma puce. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ah, ça fait ch'ting. Bon, Loulou, tu prends ton bazar, là. Oui, oui. Mais pas longtemps. Prends le cocktail. Je te jure, si tu fais tomber un truc, hein, tu vas manger, toi. Tes poupées, lol. Ah, bah les autres, tu veux bien les manger? Oui, bien sûr. Oui. Puis tu vas au lit et je te botte, ou sinon je te botte le cul. Oui, pardon. T'as bien entendu. La 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 la. Sting. Oui, le loot. Oui, le loot. Je sais pas, le loot. Ça te fait rire, hein? Ouais. Heureusement. De quoi? Non, t'as pas le droit de rigoler. Qui a dit que tu pouvais rigoler? Je sais pas, j'ai ça comme ça. Je regarde rien, je joue. C'est Toy Story, ça, non? Je sais pas lequel c'est, mais c'est Toy Story. Oui, bah, au lit. Bonne nuit. À demain. Oui, mais pas trop. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Pour la troisième, millième fois. Non, ça va, Mali. C'est gentil, merci. Merde, un mob. Fais chier. Non, ça va, c'est gentil, Mali. C'est gentil, hein. Oh, une langue.
violence d'esclaves. Lalalalalalalalala. Fan des Louboutins, faut dire. Personnellement. Pouvoir faire un nouveau pantin. La 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 la. Non. J'ai level. Jingle. Oh oui, je vais faire un petit doggy. Neto. Oui, je peux pas aller encore, oh mon dieu. Ouais, un petit doggy en version féminin. Merde, j'étais une porte trop loin. Tu veux pas, Edo? Faire plaisir à Princey. Oh oui, un étau. Oh bordel de Dieu. Ah, raté, allez. Raté, oh putain. Je sais pas du tout, Edo. Ok. Oui, niveau 4. Où est-ce que j'ai pas encore exploré? Il y a une pop-porte là-bas. Je vais voir la pop-porte là-bas. Attends. Voilà la pop-porte là-bas.
Merde. Je voudrais noter qu'à ce stream-ci, j'ai eu une arme légendaire. Oh, 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 non, ta gueule. Y'a pas de sting. Merde, aussi, y avait un sting. Victory! Yeah, baby! Oh, une pierre de boue. De la boue. Merde, allez! Oui, Ido, je le ferai tantôt, quand j'ai fini le live. Et je me serai fait à manger. J'ai faim. J'ai pas continué à manger. Je vais te prendre le linge. Oh lolo. Merci Edo. Je vais où moi maintenant? Putain, ça y est, je suis perdu. Oh non 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 non. Ok. Non, c'est pas par là. C'est là. C'est par là. Non, ta gueule! Merde. J'ai le bol, le bot. Oui. On connaît les résultats. La 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 la. Ça va se la faire facile. Faire facile. Allez, on va créer un pantin. Balalalala. Coucou Costa! Ça va? Ça fait longtemps, dit? Ça va, merci. Merde. T'as une sacrée paire de boobs, Aido. La 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 la. Oh.
Ah bah oui, Mali, bien sûr. Oh, t'es con, Edo. T'es con. Mais je vais démonter dans un coin du donjon. Je vais te démonter dans un coin du donjon. Non, attends. Tu vas avoir super mal. What? Barely any time has passed. Give me the book. Monsieur le fan de poney. Which report is written on a blackened page? I see. While the Tractatus de Monstrum is exploring, its findings are recorded on a blackened page. Good to know. Your progress thus far is impressive, but these findings suggest that the flow of time is different down there. I don't know what to make of this. Still, it would seem the labyrinth's reputation is not entirely unearned. And this Tractatus de Monstrum appears to be the genuine article. Good job, Tracty! Looks like you're the real deal! Coucou Narvek, comment vas-tu? So these are some of the treasures the labyrinth contains. These items could not possibly be products of this world. You can tell by looking at them? They look normal to me. How can you tell? If you could see the flow of mana as I can, you'd see that these items are practically overflowing. Oh putain, Angel. Mana. ça va, merci. Comment ça, la nécrose mentale? Oh, coucou Nodoka! Ça va? Wow! Ah, yes. Tracty, I shall open your eyes so that you too may see the magical power these items possess. You will be able to discern the rarity of certain items. Bring any rare items you find to me.
Then again, if you had such items when I reviewed your findings, I would have taken them by now. Comment va notre Doka? Your will is my will, Tracti. And I assure you, I will put you to work. Ouais, elles sont fun les musiques. Andronia, you called him Tracti. That's my name for him. I came up with it all by myself. Shut up. If you encounter any difficulties during your exploration, report to me and I will repair you as necessary. Huh? Madame Jonia, someone's outside. Open the door. Mais comment elle donne des ordres, quoi? Yes? Who is it? Please forgive my sudden intrusion. Is this where I might find Great Witch Baba Yaga? Baba Yaga. Oh? Oh! Indeed, you stand before Great Witch Baba Yaga. And you are? Baba Yaga. My name is Klaus Carter. I serve the governor of this town. My master has sent me to escort you to his residence, ma'am. Je parle à la demeure de mon maître. His master? Oh, the man who wrote the letter. Damn it. Still, I can't exactly refuse him. I apologize for not visiting sooner. I did not know where your master resides. May I ask you to escort me? Certainly, ma'am. That is why I am here. Please, come with me. Something the matter? You said your master is the governor of this town, but is your master also a business owner? Yes, but his shops are in remote parts of town. For this reason, my master's wealth is actually quite modest. Mm-hmm. Oh, I should not say such things to a guest. This, in fact, is my master's finest shop. I do hope you'll shop here during your stay. Shop, Madame Dronia? Huge even! It's got a bunch of stuff for sale! My master is just ahead, in his study. This way, please. Le parloir! Please wait here. I shall summon the acting governor right away. Acting governor? Yes. Oh. Did I neglect to mention that earlier? To my knowledge, this town has never had an official governor. The acting governor is the master of this town. Ah, Klaus, you've returned. Have you brought Madame Baba Yaga? No. Oh. Yes, Master Patrone. Great Witch Baba Yaga stands before you. Oh putain, du foie gras, va. Why? I was not expecting her to be so beautiful. Thank you for summoning me. I am Baba Yaga, and this is my apprentice, Luca. I am pleased to make your acquaintance. Yes, like she said, I'm Luca. Baba Yaga's apprentice! I read your letter and I believe I understand the broad strokes of your request. Explore the mysterious labyrinth and bring back rare magical items. That is what you want, yes? Precisely. As a great witch, is it within your power to grant that request? But of course. Why else would I make the perilous trek across the western mountains? Wonderful.
But I must say, I never expected a famous great witch to be so young and beautiful. I was told you were a powerful witch, so I had imagined you to be an old crone. La sauce blanche et la pompe, oh merde! Forgive my impertinence, but are you really Baba Yaga? Master Petrone, that is a rude question. Powerful witches can use magic to look as young as they please. I understand your reservation. Après tu fermes la porte, il fait un peu froid. I am the real okay. Baba Yaga. Mes jambes sont toutes trapues. Normal, tu t'es assise par terre. Non, je me suis pas assise, je me suis couchée sur le lit. Ya, comme, allez, au lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ferme la porte, hein. S'il te plaît. J'ai froid. Oui, ok. Once I deliver the results of my exploration, that should ease any doubts you may have. However, I would prefer that you address me by my alias, Dronia. People would panic if they learned a witch was among them. My true identity must be kept secret. Perhaps you're right. Anti-witch bigotry still runs deep here. Now then, have you seen the Well of Kalaza? Yes. In fact, I sent an underling down there earlier to assess the situation. Allez! Oh, Luana! J'aime bien les câlins. Moi, je sais. I see. Allez. The people know to avoid that. Maman. Oui. Tu es. Maman. Non. Demain. Va prendre ta bouteille remplie de l'eau. Dorian, tu l'as fait hier. Ferme cette fichue porte, nom de Dieu, j'ai froid. Those who have returned alive number fewer than 10. And that's because they Désolé, ran away. C'est les vacances. And those cowards would just ramble on about onions fishing for dead flesh or some giant woman in a swamp. Best not to concern ourselves with the ravings of madmen. The only man to reach the bottom of the labyrinth learned a secret so terrible that it compelled him to write a book. You speak of the Tractatus de Monstrum. So, you know. Do you happen to have the Tractatus de Monstrum? Moi, quand il dit Monstrum, là où je sais pas trop quoi, putain, moi ça me fait juste penser à menstruation, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais. Je sais pas. Unfortunately, no. Zarkos! Ça va? You just let Baba Yaga worry about that. Je suis la grande sorcière, Baba Yaga! Ah, yes. I also found a ça va, merci. Item. Saisis alors la main du Bogomash Lunia. Une petite pote jaune, ok. I do not know if this has any monetary value, but nonetheless, I hope you will accept this gift. Oh, you already found something. I knew I made the right choice in seeking your aid, great witch. Please handle that with care. The contents are a mystery even to me. I advise faut pas secouer trop fort. Attention.
I see. Klaus, put this somewhere safe. Understood. By the way, we passed rows of shops on our way here. Do you own and operate those businesses as well? Oh, well, that's actually my primary trade. I was once a merchant, but I became the acting governor after the governor mysteriously vanished. Coucou, Tototof. Ça va? Yes, acting. I see. Could I trouble you to exchange currency? I didn't fully prepare before coming here. T'inquiète, Nadoka, je percute facilement. Of course, you won't find a better exchange rate for CL silver coins than my shops. Coucou Urtica, comment vas-tu? De quoi, Nervec? C'est quoi ce jeu? Ben, c'est un jeu japonais. CL Silver Coins. I've never heard of that currency before. Merci Urtica, toi aussi. What? Oh, of course you haven't. This is a remote town, after all. Then, how much can I get in exchange for 300 Halt's Kingdom gold coins? Halt's Kingdom gold coins? I've never heard of that currency. Let me see. This gold appears to be high quality. I'd say they're worth about 1,000. Bah, le nom est dans le titre. C'est un jeu pour pervers. Et ouais, bah, c'est exactement ça. Official currency of the Halt's Kingdom. It must be worth at least 6,000. Be that as it may, this is a remote town, and the Halt's Kingdom. C'est chiant, ce pétrone là. Stubborn oaf. I understand. Then will you allow me to open a theater in town? Bien sûr. Bah oui, j'ai Senran Kagura, j'en ai deux. Je sais qu'il y en a un qui va sortir là en janvier, si je me trompe pas. Si j'arrive à me le choper, je le prends, et sinon, bah, je ferai que les deux autres que j'ai, quoi. I can confirm that Baba Yaga, I mean Madame Dronya, has in fact parked her caravan there. Oh my, I cannot let that stand. Approaching the well is forbidden. I shall have it removed at once. Pardon me, Klaus. May I have a glass of water? My throat is parched from my long journey. Yes, of course. I will bring it right away. Just a moment. Ah. Now where was I? Acting Governor Petrone, will you allow me to open a theater in town? I would do so at my caravan near the well. Of course, you cannot live among us as a witch. Your cover story will be that you are a traveling performer. Very well. I will authorize you to open and operate your theater near the well. I will fulfill your request and leave Refrain before the conquer trees bloom. Thus, it would be prudent if I could avoid paying taxes. Your shop will purchase anything I find in the labyrinth, regardless of market value, and you will stable my horse as well. Now,
As far as exchanging currency is concerned, does 10,000 CL silver coins sound fair to you? Well, though I have every intention of supporting your expedition, that amount seems... Deal. My shop will buy the items you find underground, and you will receive 10,000 silver coins up front. Thank you. You are a tough but fair negotiator. Also... Oh, Angelus qui fantasme grand-mère. Si vous saviez ce qu'Angelus y fait. Also, I will pay a high price for any amazing magic items you find. I understand. Though this arrangement is but temporary, I look forward to doing business with you. Cela ne nous regarde pas, si vous saviez. GG level, jingle. Madame Dronia, your water, as requested. Ah, and Master Petrone, your dinner is prepared. Oh bordel, Angel, t'es sérieux? Tu kiffes les cougars? Oh, right. Forgive me, Madame Dronia. I feel lightheaded and would very much like to sit down. This town has rules that I have yet to explain to you. Perhaps we can discuss them over dinner. Come, let us continue our conversation. Je recommence. Oui, Mali, je crois qu'il y a eu un problème là. Madame Dronia, may I escort you to the dining room? Unfortunately, I must take my leave. I still have much left to do. Then I will come for you tomorrow to stable your horse and finalize the currency exchange. Wait. There is one rule you must observe if you intend to stay in this town. When the evening bell rings 3 times, lock your doors and do not open them until morning. Est-ce que vous entendez les cloches sonner 3 fois? Fermez vos portes et ne l'ouvrez sous aucun prétexte jusqu'au matin. Ok. Good night. Let's go, Luca. Yes, ma'am. Good night, mister. Oh la 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 la. Oui, ça va. Et... Oh, hein? Pouette, hein? Cacahuète, hein? What, Angel? J'aime être un connard. M'entendre jouir tout de suite. Non, j'ai gueulé. C'est pas pareil.
Oui, c'est bon, ouais. Ta gueule. Soul, wesh. Oh. Ça me saoule les tutos, je vous jure, ça me saoule. Oui. Des cacahuètes. C'est terminé de cacahuètes. Alors. La 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 la. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire s'il y a beaucoup de DLC pour ce jeu, s'il vous plaît? Ouais, mais bon, on m'a dit qu'il y avait. Enfin, il y en a un qui m'a MP pour me dire qu'il a acheté le jeu, il avait craqué pour tous les DLC. Alors bon, je demande, hein. GG level, jingle. Donc je me demandais si par hasard il y aurait beaucoup de DLC. C'est pas par là. Pardon. Je fais le hibou. Ça se passe mieux qu'hier quand même, hein. Oh bordel. J'ai tout compris. Tu me vas. D'accord. Oh bah si c'est pas énorme, je crois que je vais me les prendre alors les DLC. J'ai envie de me faire plaisir. Je veux des DLC. Yeah.
c'est l'heure du duel. Du tissu épais. C'est une quête qui te donne un objet. Bah, moi je veux. Je need. Faudrait que je mette des sous sur mon PayPal alors. Chier. Oh crotte. Oh merde. Mais merde. Ouais, mais le problème c'est que je peux mettre des sous sur mon PayPal via banque contact, via avec la carte de banque que j'ai. Attention, le système belge c'est pas pareil. Et le minimum que je peux mettre sur mon PayPal avec ma carte bancaire, c'est 25 euros. J'ai pas envie de 25 euros. Non. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Bon, on était où, moi? J'ai pas une autre cloche? Oh non. J'ai pas une épée au cas où qui traîne en attendant? Non. Ok, le problème des sous, bah, c'est qu'il y a des DLC qui sont, comme Angel dit, il y en a à 1,50€ ou d'autres à 50 centimes. Et il y a 5 DLC en tout. Et moi, avec mon système de carte bancaire belge, bah, je suis obligé de mettre minimum 25€. Et j'ai pas envie de mettre minimum 25€ juste pour les DLC. Voilà, voilà. Tu sais, je suis chiante. Pas grave. Mais non. Mais non, Mani. Je sais pas, il y a 5 DLC. C'est tout ce que j'ai compris. Ça fait 3,50€ tous les DLC. Oh, peur, coucou. Oh, l'arbalète. Oui, beurre. Et toi? Qu'est-ce que t'as reçu? Des cailloux. Si c'est des cailloux là. Oui, chaque fois que je m'équipe, hein, désolé. Hein. Je m'équipe. Elle a une tenue de paysan, celle-là. Non, voilà. J'avoue, Mali, mais non. Je suis pas comme ça. Qui, Angel? Oh, chouette ça! C'est quoi comme BD? Dis-moi. D'accord, Mali. La mana. Mais non, Edo.
Chant pipi. Chant pipi. Mali. Non, le ma, je dois m'équiper à chaque fois en fait. Merde, tu es déjà perdu, putain. J'en ai marre. Putain, dis. C'est un labyrinthe de chiasse là. Attends, je suis où? Attends. Là. Ok. Ok. Mais non. T'as du con. Je sais que tu fais ce que tu veux avec tes joues. Mais même, j'ai dit non. Oh, ouais, prout. J'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre des tutos, hein. Oui, t'es dans un jeu. Mais non, mais non. Oh là là, mais c'est pas possible. Rack. Non, mais à un moment donné, il y a trop de tutos, tue les tutos, moi je vous le dis, hein. Oh putain. Bonjour. Oh putain, Angel! Je viens de voir des cadeaux Steam! Oh merde! Re-Angel, mais... Oh, Angel! Fallait pas! Mais allez, maintenant, je suis gênée, moi, maintenant. C'est cette manée. Merci, Angel. Ah, je suis toute gênée, maintenant. Je suis gêné. Oh. Oh mais ta mère et toutes ces portes. Non. Ok. Mais c'est pas fini moi madame hein. Alors poète tu te calmes hein. GG level, jingle. Je kiffe ce jeu, je te vous jure. Je kiffe, j'adore. Mais merci Angel. Putain, mais je suis toute gênée quoi. Oh merde. Si ça dispensait d'eau.
plutôt. Non. Here I come. Bon, maintenant vous voyez un peu plus le jeu, là, le gameplay, etc. Vous aimez bien, honnêtement. Soyez honnête avec Princy. J'ai des potes partout, moi. Merde. Non, je veux pas rentrer dans le trou. Je termine l'exploration de cet étage-là, puis je rentre voir l'autre, la dominatrice. En fait, elle aurait dû s'appeler Malikara. N'est-ce pas Mali? Oh, après chacun son style, attention hein. Moi j'ai joué à ça toute l'après-midi, franchement ça m'a détendu plus qu'autre chose, donc c'est vraiment pas un jeu où je vais m'énerver dessus. Sauf quand je fais de la merde comme hier. Mais bon, c'était tentant de découverte. Mais il y a des cinématiques assez drôles. J'essaie de tout explorer, pour, comme ça, ça c'est fait, c'est, enfin l'étage est fait quoi. Mais non, c'est pas stressant, Rock. Enfin, moi, honnêtement, j'ai déjà joué à ce genre de jeu sur la Nintendo DS quand j'étais enceinte. Donc, c'est, ça date, hein. Ma fille va avoir 9 ans, hein, au cas où. J'aimais beaucoup aussi. Je trouvais ça apaisant. Oh oui, Mali. Ah oui, chacun son style, tout à fait. J'y level. Jingle.
Du lait d'abeille. Moi, je trouve ça... Enfin, ce n'est que mon point de vue, je trouve ça apaisant. Ta gueule! Oui, les musiques sont très sympas. J'aime beaucoup. Putain, mais je vous jure, mais il y a des portes mais partout quoi. Comment ça, est-ce qu'on est bon là? Non, pas vraiment. Bon, allez hop. Oh là là. Mais je vous jure. Là, on est bon. On va tout explorer là. L'étage. Ouais. C'est good. Je peux remonter. Ma première console, c'était la PS1. La toute première que j'ai reçue. J'ai pas pu jouer avec. Sinon, je voulais trop une Game Boy. Mais j'ai jamais eu. Ugh, the dinner is finally over. I swear, I must have caught that oaf leering at my chest 36 times. 36! Elle a quand même compté combien de fois ce vieux a reluqué sa poitrine. 36. Can you believe that idiot Luca? He wanted to give 1000 silver coins in exchange for 300 gold coins. Did he really expect me to believe his peasant money is worth thrice that of the Halt's kingdom? The nerve. In most cities, that amount of gold will get you 4,000 silver coins at the bare minimum. Really, it's his own damn fault I had to glamour him. I'll give him as much gold as he wants, but I'm not forking over all my money while I'm stuck in this backwater. Still, it's a little peculiar for this town not to have a local bank. Luca, give me a silver coin. Where's Luca? Dinner was super yummy. I'm honored that you enjoyed it. GG les balles! Jingle! Madame Junior, did she go to the bathroom?
Madame Dronia left some time ago. Madame Dronia! Pardon. Ça a sonné trois fois. Oh, there's that awful bell. Better head back. Madame Dronia! Madame Dronia! Oh my, what's the matter? Dangerous for a little girl to be out by herself. Where is your home? I'll take you there. No, no, no! Auntie Dronia's gone! And I'm trying to find her! Separated from a family member? Are you lost? At this hour, a lost child is. No, no, no! That's not it! I'm not lost! Auntie Dronia is! Are you an outsider, by chance? Yes. Ah, then you must not know your way around this town. I'll help you look for your auntie. Really? You will? Auntie Dronia gets lost easily, every time I look away! I'm sure we can find her. This town isn't that big. Moi aussi, c'est ma préférée, là, la nonne. What the fuck? How peculiar. I could have sworn I was on the right path to the caravan, but I've never been here before. Hein? Ou toi, c'est le chauffage ou c'est dehors, tu sais. Allez, va au lit maintenant. Bonne nuit. Allez, je veux plus te voir. Va au lit. Ah, I see now. Yes, yes. If you make a left here, you exit out to the square. Oui, c'est bien. Oui, allez. Now I understand the layout of this bizarre town. The town planners were total imbeciles. Just follow the flow of mana. Back here again? No. This can't be right. If I didn't know any better, I'd swear this whole town is one big labyrinth. The governor tries to rip me off, then I lose Luca, and now I don't know where the hell I am. So, I can't believe Luca went back without me. She has failed me as an apprentice. Madame Dronia's mad. She's really, really mad. I feel like the square is this way. Yeah, it has to be. Woo! Are you kidding me? Oh my, are you hurt? Yes, I'm fine. It seems you've caught me under less than flattering circumstances. Please, give me your hand, Madame Dronia. We can't have any dirt sullying that beautiful face of yours. No, I'm okay. I can stand on my own. Madame Dronia? Are you okay?
Luca, remind me to discipline you when we return to the caravan. Oh, I haven't even introduced myself. How rude of me. My name is Marietta. I live at the Abbey. I asked her all by myself to help me find you, Auntie Dronia. Elle frappe la gosse, hein? À retenir. Don't call me your aunt. I'm not even old enough to be your aunt. GG level. Please, I insist you come with me. The Abbey's not far from here. You can stay with me tonight. No, we already have a place to stay. You're new to this town, yes? These streets are dangerous at night. Come along, Luca, my child. But Madame Dronia said... Just stay until sunrise. We must hurry. Hey, wait! I didn't even say I'd... So, what am I doing here again? Vous permettez, j'ai entendu quelqu'un en bas. Je reviens. Je sais pas dans combien de temps, mais je reviens. Ça me stresse trop. Je coupe le micro et je reviens.
Oh, oh bordel. Excusez-moi. Ouh. Si. I brought you something to eat. It's not much, but please. Oh merde. J'espère que j'ai pas été trop longue. Wow! Can you believe it, Madame Junia? Warm soup! Let's eat! Oh putain! Ouh. Mourir dans les escaliers, c'est pas bon. Ben, j'ai couru dans les escaliers. Well, I suppose it's a sin to waste food. Je t'emmerde, Angel. I apologize for the bland food. GG les balles. Jingle. But we only have potatoes. Les potatoes. Vous comprenez mon titre maintenant? Do you like potatoes? Voilà, ça vient de là. It's fine. She loves potatoes. Good to hear. Huh? Someone's at the door. Is it a visitor? Oh, please. You don't need to worry about that. Mali. Clean ones? Aux impurs? Yes, it may sound hard to believe, but when dusk falls, that's when they appear. That's why, when the evening bell rings, people shut their doors and stay inside. Are they ghosts? I don't know. No one knows, really. If they catch you, they take you to the land of the dead, and they can control you just by looking at you. Moi, j'aime les patates rissolées. C'est bon, les patates rissolées. God forgive me. There are even some. Ou alors, on était une salade de patates avec de la mayo et de la ciboulette. Oh. So this is just a story people made up to scare children, right? No, the unclean ones really do exist. We've lost many people during the night. We are not a wealthy town by any means, yet you haven't seen a single homeless person on our streets. Moi, perso, je mets pas de lardon, mais why not? Did they all get taken away? Is that why they're all gone? I'm afraid so, but they won't enter homes. As long as you stay indoors at night, you'll be safe. While you're in the refrain, do not go out after the evening bell rings 3 times. What's this? A fresh new bed! Look, Madame Junia! It's a real bed! Your room is this way, Madame Dronia. Luca will be in the room next to yours. I have to sleep in my own room? Can't I sleep with Madame Junia? Now I don't have to wake up to wet sheets. Apologies. The rooms are too small for more than a single bed. Pourrais-tu mieux serrer dans le lit? Je dis ça, je dis rien. I must say, you are rather hospitable. But why do I smell perfume? J'aime pas les champignons.
Oh, it's just travelers pass through so often. It's only vice that I keep these runs clean and fresh. I'm a little hesitant to sleep in a place like this, but... well, let's just leave it at that. Duck, duck, duck. Are you still awake? C'est là qu'on va rire. Yes. Is something wrong? I opened the new bottle of wine. I was thinking about drinking some before going to bed. I don't particularly enjoy alcohol, and I don't feel like drinking wine in an abbey. Oh, that's too bad. Oh, avec le petit cœur. Marietta allume en silence la lanterne ainsi que l'encens posé sur la table. Then let's just pretend to drink it instead. Why are you sitting so close to me? Is something the matter? Look, I think you have the wrong idea, so if you don't mind, I'm just going to leave the room. If you'll excuse me. Oh, how cold. Oh, elle la retient sur le lit. Ah! Jingle! Allow me to rub your feet with my grandmother's special oil. You're even more beautiful up close. That glamorous head, those slender legs. Why? I'm jealous. Oh, bordel, j'ai chaud. Yeah, well, this leg is a prosthetic. No reason for you to get jealous over. Marietta glisse alors sa main sous la jupe de Dronia. Ah la 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 la. Huh? Hey! What do you think you're... Huh? That's... As you've no doubt guessed by now, my grandmother was a witch. A country witch, in fact. She made her living selling tinctures and tonics for medicinal use. Oh, ce soupir. A witch, huh? And that explains a lot. Very interesting. In that case... Marietta, what are you hiding? I want to know all your secrets. Show me everything. Those secrets belong to the abbey. They are not mine. Are you always so domineering, Madame Dronia? I must admit, I rather like this force. J'aime quand vous me parlez mal. Oh là là! Oh là là! Hey! Stop that! And your porcelain skin is so fresh. Your veins are like a rose garden. Oh! Did you pretend to drink that whole bottle or something? That's enough jokes out of you. Enough? Oh, I'm just getting started. The child should be asleep by now.
Oh merde. La 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 la. You told me to show you everything. And so I shall. I'll even show you my potatoes. The potatoes? En retirant ses habits. Oh, elle se met à poil. Take me. Oh oui. Oh oui. Hey. Your firm breasts call out to me from under your clothes. Oh Seigneur. Oh merde. Put up a call to find Madame Dronia, but a firm touch is all it takes to dull your icy demeanor. Isn't that right? Hey! You'd better stop touching me! Voilà, elle a vomi par terre. Are you all right? You should have told me you weren't feeling well. I understand. Let's stop for now. There's no need to rush things. You can rest in the next room. I'll clean this up. I don't want you to dislike me. And besides, I'm used to waiting. No de cas. Dislike you? I hate you right now. Good night, Madame Dronia. Sweet dreams. Oh! Hear ye, announcing the latest death notice. Three deaths to report. Jill Moritz of West 21st Street. Renee Toto of North 3rd Street. Dal Nestor of 6th Street. What the hell? Who the hell's shouting at this hour? Good morning, Marietta. That bed was so comfy. The comfiest I've ever slept in. I'm pleased to hear that. Mali. Oh, Madame Dronia! Good morning! Good morning, Madame Dronia. I apologize for the firm bed. Were you able to get some rest? Et pourquoi ça, Mali? You are in a bad mood this morning. Was the bed too firm? Or perhaps... Just shut up. A hussy like you is a nun. Et tu te prétends nonne. That guy with the trumpet woke me up. Who is he? Oh
C'est pas lui qui était dû. Oh, that's the death crier. Every morning, he announces the names of those who died during the night. He tells the whole town whenever someone dies? That's right. It's a custom we adopted when the new governor took office. What an annoying custom. Thanks for taking us in. Luca, we're leaving. Huh? You can't leave yet. At least eat breakfast before you go. No thanks. Let's go home, Luca. I don't want you going near this woman ever again. Understood? What? But Mariette is so nice! And we should eat breakfast! She made us potatoes! My favorite! Catin voue à Satan, carrément. If you stay and eat breakfast, I will leave you here. Potatoes. Oh oui, je mange des potatoes. Ooh. You're welcome to visit me whenever you like, Luca. I'll make sure to have potatoes waiting for you. Coucou, Takui. Comment vas-tu? Wait for me, Madame Dronia. Merci du follow, Takui. Je ne sais pas du tout, Otakui. Let's see. Stay out of the labyrinth, or I will leave you blind, crippled, and writhing in agony. Huh. Is this a threat? I swear, whoever wrote this is an amateur. They didn't even pin it to a horse's head. I don't know. Do you really think the person who wrote this would also sign the bottom? But let's see. Oh. This letter contains a lot of residual magic. Well, this is an interesting turn of events. What happened? Do you know what it is? Doesn't matter. I figured something like this would happen to liven things up around here. Huh? Je pense qu'il y avoir les voix japonaises, mais j'avoue que je ne les ai pas mises. Chemin de mémoire, sauvegarder. Waouh, j'ai streamé 2 heures. J'ai les balles. Jingle. Mm.
On peut voir en japonais. On va regarder, hein. Je sais pas du tout, Otakouille. Je peux faire un pantin? Ah bah non, je peux pas. Bah, fais chier. Bon. Si, c'est bon, la choucroute. C'est pour avoir des souhaits. Bah si, là, je crois que c'est bon. Est-ce que je descends par là ou pas? Lol. J'arrête de sucer des clones pour ce soir. Si j'aime pas, je remets en anglais, hein, je vous préviens. What? Top. Oui, qui est Doggy? Oui, qui est Doggy? J'aime pas du tout en japonais. Alors là. On va mettre en anglais. Je suis perturbée. J'aime pas du tout. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon.
j'ai level. Jingle. Oui, pour les dialogues, je veux bien tester. Y'a pas de soucis, Nodoka. Mais pour là, avec les persos, là, enfin les pantins, j'aime pas. Ça me stresse trop. Qui se fout? Ça va pas dans ma tête. Ah oui, Mali. Vas-y, Mali, c'est bon. Vas-y, Mali, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Mali, c'est bon. Vas-y, Mali, c'est bon, bon, bon. Oh, une pierre en argent. Ouais, encore du tuto. Je vous jure, j'en peux plus des tutos, moi, ici. De la mana. Mana, mana. Mana, mana. Marteau, 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 martelé, martèle-moi le cul, lulu. Bon. Attention. Pardon. Merci. Ça va faire bobo. Nodoka. Bah ouais, je t'ennuie hein, les Pikachu.
Je sais pas du tout, Edo. Mais j'avoue que je vais, on va aller voir l'autre là. Machin chouette là. Puis après je vais sauvegarder et puis après je vais m'arrêter. J'ai vraiment mal au ventre. Les ragnagnas, c'est pas drôle hein. Merci Edo. Mon Dieu, moi je sais jamais où est-ce qu'on est ici. Merci Mali. Ça commence à faire vraiment... Ça commence à être dur là. De tenir. Je parle plus beaucoup, donc c'est que ça va pas. De la pierre de boue. Le point d'exclamation rouge, c'est quoi? Des events. Il faut aller là-dessus et il te dit quoi? Mais des fois où tu vas dessus et tu peux pas encore y aller. J'attends de pouvoir sauvegarder. Je suis en train d'essayer de sortir du labyrinthe en fait. Je vous dis bien, j'essaye de sortir de là. Hein. C'est pas gagné. Hein. Ta mère. Romarin, je sais pas si j'ai encore. Faut que je regarde. Je sais que j'ai aux orties. Ta mère. Oh, merci Nadoka, c'est gentil. Je suis perdu. Enfin non, je crois pas. Bon, j'ai trouvé le seau. Chemin de mémoire. Et ben voilà. C'est sauvegardé. Et du coup, ben pour le prochain stream, on continuera ça parce que franchement, j'aime beaucoup et je suis bien lancée dessus. Donc voilà. Et voilà. Et voilà. Du coup, moi, je vais m'arrêter là, hein, comme vous avez pu comprendre. Du coup, moi, je vous dis, ben, je sais pas quand est-ce que je vais restreamer. Peut-être demain soir. Je verrai, je vous dirai, je vous tiendrai au jus. Mais normalement demain soir je streamerai. Là c'est le premier jour des ragnagnas, hein, ça fait un peu mal et puis après c'est fini. Voilà, voilà. Du coup, bah moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne touchette, une bonne branlette, un bon cuni, une bonne partie de jambes en l'air. Une bonne touchette aussi, je sais pas si je l'ai dit. Un bon appétit, un bon grignotage, un bon tout ce que vous voulez. Je vous dis peut-être à demain. Je vous tiendrai au jus sur Discord et sur Twitter. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous fais tout plein de bisous. Et n'oubliez pas, les potatoes, c'est la vie. Des bisous.